Je vous salue, chers amis. Vous êtes bien sur Escabé Vision. Je suis ravi de vous retrouver pour une autre aventure. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, l'aimer, la partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Je suis Yaoxi Zhou pour vous servir. Aujourd'hui, je vous présente République bananeroise numéro 9. Nouvelle du jour. Citoyennes et citoyens de quelque part, je vous salue. J'ai le plaisir de vous transmettre les salutations citoyennes des bananeroises et des bananerois. Ils souhaitent que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je sais que vous avez tout compris. Aujourd'hui, je vais continuer de vous donner le compte-rendu de la réunion très particulière que le peuple a eue avec l'invité très particulier, dans un contexte très particulier. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente livraison, depuis un bon moment, la population bananeroise constate que la situation est devenue très très compliquée. On ne peut rien acheter. C'est le refrain que toute la population reprend en chœur. Quelque part là-bas, on dit que tout est au rouge. Mais en République bananeroise, toutes les couleurs sont tellement mélangées qu'il n'y a même plus de couleurs. Bref, vraiment tout est babélisé. C'est la confusion totale. Voulant relever le moral tombé très bas de ses compatriotes, un chef de quartier, qui a des amis dans quelques coins d'un grand Boana, a invité l'un d'entre ses amis pour palabrer un peu, à la façon sous l'arbre à palabre quoi. Dans son intervention introductive, l'invité causeur, venu de très loin, du pays de Tonton Sam, s'était présenté, de façon très particulière en disant: en fait, je n'ai pas de solution à votre situation chaotique, au contraire, je vais essayer de vous expliquer comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire abracadabrantesque. Et d'ajouter, j'ai été un assassin financier. Je m'appelle JP, et j'ai fait partie d'un groupe qui se nomme les assassins financiers. Mais qui sommes-nous, et que faisons-nous? Je vous présente ici la septième partie. Écoutons la suite de l'histoire de JP. C'est lui qui parle. J'ai fini par comprendre que la vie est faite d'une série de coïncidences et que ce sont nos réactions à celles-ci qui importent, c'est-à-dire la manière dont nous exerçons ce que l'on appelle le libre arbitre. Ce sont les choix que nous effectuons devant les événements qui déterminent ce que nous devenons. À l'époque, j'étais à la fois trop naïf, trop intimidé et trop fasciné pour poser des questions qui aujourd'hui me semblent évidentes. Claudine me dit que mon travail comportait deux objectifs principaux. Premièrement, je devrais justifier d'énormes prêts internationaux dont l'argent serait redirigé vers des compagnies américaines par le biais de grands projets de construction et d'ingénierie. Deuxièmement, je devrais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts, après qu'ils auraient payé les autres entreprises américaines, évidemment, de sorte qu'ils seraient à jamais redevables à leurs créanciers, et constitueraient donc des cibles faciles, quand nous aurions besoin d'obtenir leur faveur, sous la forme de bases militaires, de votes aux Nations Unies ou de l'accès au pétrole et à d'autres ressources naturelles. Mon travail, me dit-elle, serait de prévoir les effets qu'aurait l'investissement de milliards de dollars dans tel ou tel pays. Plus spécifiquement, je devrais produire des études établissant des projections de croissance économique pour les 20 ou 25 prochaines années et évaluant les conséquences de divers projets.
Par exemple, si l'on décidait de prêter à un certain pays $1 milliard afin de le persuader de ne pas s'aligner sur l'Union soviétique, je devrais comparer les bénéfices que rapporterait l'investissement de cet argent dans des centrales électriques avec ceux d'un investissement dans un nouveau réseau ferroviaire national ou un système de télécommunications. Ou encore on offrirait à ce pays d'y installer un système d'électricité publique moderne et je devrais alors démontrer que ce système aurait pour résultat une croissance économique suffisante pour justifier le prêt. Dans chaque cas, le facteur critique était le PNB. Le projet ayant pour résultat la plus forte croissance annuelle moyenne du PNB l'emporterait. Si un seul projet était envisagé, je devrais démontrer que sa réalisation apporterait des bénéfices supérieurs au PNB. L'aspect clandestin de chacun de ces projets, c'est qu'il avait pour but de générer d'énormes profits pour les entreprises et de rendre heureuse une poignée de familles riches et influentes du pays récipiendaire, tout en assurant la dépendance financière à long terme et donc la loyauté politique de plusieurs gouvernements du globe. Le montant du prêt devait être le plus gros possible. On ne tenait nul compte du fait que le fardeau de dette du pays récipiendaire priverait ses plus pauvres citoyens de soins de santé, d'éducation et d'autres services sociaux pendant des décennies. Claudine et moi avons discuté ouvertement de la nature trompeuse du PNB. Par exemple, celui-ci peut croître même si cela ne profite qu'à une seule personne, tel un individu possédant une entreprise de service, et même si la plus grande partie de la population est accablée de dettes. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Pourtant, les statistiques révèlent un progrès économique. Tout comme les citoyens américains en général, la plupart des employés de main croyaient que nous accordions des faveurs à ces pays en y construisant des centrales électriques, des autoroutes et des installations portuaires. L'école et la presse nous ont appris à percevoir ces actions comme altruistes. Fin de la 7e partie. D'autres détails vous seront donnés la prochaine fois. Assassin financier. Assassinat financier. Tueur financier. C'est un peu fort, n'est-ce pas? J'espère que vous avez commencé à comprendre ce qui nous arrive et pourquoi cela nous arrive. Mais, bon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, tout en vous promettant de vous donner la suite de l'intervention de JP, avec ses propres mots. C'est lui qui a vécu sa chose, et il veut nous la partager, pour aider la République à comprendre certaines situations dont les conséquences risquent de peser longuement sur l'avenir des générations futures. En attendant, nous continuons de garder le moral, tout joyeux. Parce que nous avons appris à être contents en tout temps. Ou presque. Et ça, c'est un ancien de notre communauté qui nous l'a enseigné. Voici ce qu'il a dit et laissé en héritage. L'erreur, c'est de croire qu'il faut choisir, qu'il faut faire ce qu'on veut, qu'il y a des conditions de bonheur. Ce qui compte seulement, c'est la volonté du bonheur, une sorte d'énorme conscience toujours présente. Le reste, femme, œuvre d'art ou succès mondain, ne sont que prétextes. Vive la République bananeroise. Et vive Boana. Revenez vite sur ma chaîne. Je vais continuer de vous donner d'autres nouvelles, bonnes ou moins bonnes. Ainsi va la vie. Mais quand vous recevez ces nouvelles-là, il faut les divulguer. Il faut les partager. Je vous attends très prochainement. Hasta la vista.